Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Télévision pour la Télémasters, Channel 18.8. Après-midi, à son plaisir sur panel ça pour nous présenter avec un monde qui passait de présentation dans la communauté. Mais nous connaissons que Télémasters, nous-mêmes, nous sommes toujours là pour aller chercher information, quel que soit côté information, et nous aller dans la source pour que nous soyons capables de connaître exactement ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que, à Soya là, nous avons le gros privilège. Bien sous plateau ensemble avec nous, docteur Angelo Gousse. On en entendait souvent, mais peut-être que grand pile la question que nous-mêmes dans la communauté, surtout la question de poil qu'a docteur, poil parler de maladie, un sujet qui tabou. Et je dis à me ferme de porte-voix communauté, me ferme de porte-voix téléspectateurs, télémasters, pour que nous parlions faire petite causerie ça ensemble avec docteur Angelo Gousse. Docteur Angelo Gousse, bonsoir et bienvenue sur Télémasters. Bonsoir, c'est un plaisir comme là avec nous. Donc, je dis à la Télémaster. Donc, très content de l'invitation que nous avons. J'aime dire là, on nom qui sonne fort dans la communauté, mais ça n'a pas empêché tout. Je suis d'accord avec Docteur Angelo Gousse, grand pile monde qui t'a des noms, mais je pas, j'aime connaître qui est en soi, qui est qui Docteur Gousse. Si je me dis, qui est qui Docteur Gousse, qui est-ce que dit? Docteur Gousse. Bon, moi c'est au médecin capable dit donc sont homme de famille, mon famille, mon petit monde. Donc moi la communauté m'a évolué donc comme sont haïtien. Donc on peut parler de qui j'ai que me river côté mien un peu peut-être et capable faut résumer. Donc un peu le monde qu'on pose cette question, oui, me fait en Haïti. Donc me fait toute en pile l'étude secondaire moi en Haïti, donc moi achevé étude secondaire moi en séminaire semestriel. Après ça moi fait toute étude collège moi New York City, la City University of New York. Après ça moi fait médecine aux États-Unis, pas étudié médecine en Haïti ou dans l'autre pays, c'est Yale University School of Medicine qui New Haven, Connecticut. Après ça, je fais études de formation en urologie à Texas, à Baylor College of Medicine. Après ça, je fais des spécialisations en reconstruction des voies urinaires, etc. à la University of California, Los Angeles. Après ça, je recrute à la University of Miami, côté professeur pendant plus que 15 ans là, qui est même qui était responsable de formation résident, c'est-à-dire que futur urologue à la University of Miami, avec l'autre fonction académique et recherche que me fait là. Donc après ça nous progresser, nous venons développer ça les gousturologie côté nous venons éventuellement commencer par une clinique et nous venons trois cliniques côté nous desservi non seulement zone Miramar là mais nous desservi tout zone West Palm Beach et nous desservi zone Adventura côté nous spécialiser dans plusieurs aspects importants la urologie non seulement dysfonction des voies urinaires c'est-à-dire que monde qui a problème à pipi, contrôle pipi, prostate, etc. Mais en pile en phase sur problème sexuel, non seulement la caille garçon, mais la caille fille. Tant qu'on connaît, moi, impliqué en pile, non seulement l'éducation et formation des résidents, des étudiants en médecine, mais moi, impliqué tout me passé à niveau de essayer de former la communauté pendant plus que 15 ans, que la radio et la télévision tout, côté que je bâille des informations, mais c'est éduquer la communauté pour capable de comprendre un problème urologique yo moi impliqué tout la pile organisation à but non lucratif ou bien philanthropique la communauté a yona d'ailleurs comme était président pendant 10 ans yo était les Haitian American Leadership Organization un pile monde te connait peut-être quand t'as parlé de Allo. Donc c'est même qui était président Allo et cofondateur Allo façon pour te augmenter bon awareness pour ti moun yo nous bay boost d'études pour nous promote culture haïtienne là. Et nous défendons pile bagaille au point de vue communautaire sur ça. Et bien entendu, qu'on y a là, c'est président de l'Association des médecins haïtiens à l'étranger, section Sud-Floride là. Donc, côté on a célébré 50e anniversaire nous semaine ça même. Donc, et ça a fait Panama. Et moi impliqué dans l'autre organisation à but non lucratif, que les Angels for Humanity, qui a fait un pile l'autre travail tout. Donc, c'est professeur d'urologie et je suis capable de dire que j'ai publié plus que 80-90 articles scientifiques
et presque 10 chapitres dans le livre qui est portant la urologie, côté, moi je vous appelle honneur à niveau global et à niveau national pour contribution à niveau d'urologie. Là, au moins, on a une idée de qui est-ce qui est à côté de nous là, qui est-ce qui est devant, devant petit écran. Ouais, c'est pas n'importe qui, il a parlé de Dr. Gousse, ouais, de qui est-ce qui lié. En fait, les palos, ils soient que sont haïtiens natifs natal. Moi, c'est que c'est ça qu'encourager. Et peut-être que, ou même Cap Gadem là, qui est un petit tout, ça c'est le type de modèle que nous besoin dans la communauté noire. L'heure que nous avons un haïtien qui sorti en Haïti, Living Boy, ici, mais il continue la formation. Mais, Dr. Gousse, et vous dites-nous que vous spécialisez en, comme en urologue, mais pour qui ça choix ça, c'est pas dans l'autre branche que vous allez. Ah bon, vous connaissez l'offre, l'offre fait médecine, l'offre presque fini. Donc, mon conseiller qui est là, Cap Guido, Cap Mando, qui ça qu'on pense qu'on remet, parce qu'il faut faire choix. Yeah. Parce que ici, il y a plusieurs branches, vous capable aller faire médecine générale, vous capable faire médecine interne, vous capable faire médecine familiale, mais il y a l'autre branche comme la psychiatrie, obstétrique gynécologie, etc., etc., chirurgie générale, docteur yeux, donc même t'es attiré par les voies urinaires et il y en a pas qui t'es attiré ces fonctions qu'on capable en pile la maladie, vous capable aider maladie en pile, vous capable guérir et ou l'autre bagarre encore qui t'es attiré que t'es ouais que gros carence de urologue la communauté a. Et si vous regardez bien la communauté à la sud de Floride, là, parce que c'est un autre urologue vraiment qui parle créole, qui est haïtien, qui est natif natal. Et ce n'est pas par coïncidence, c'est parce que c'est extrêmement difficile pour entrer dans la branche là, à cause de sélection. Hein. Mais vous pouvez voir que, carence ça, sur carence que vous avez essayé, ou est-ce que vous avez comblé partiellement, parce que si vous regardez vraiment, pas réellement un autre urologue dans la communauté, ou à un étranger vraiment, mais haïtien, on va voir. Ok. Mais là, et de par expérience en tant que médecin, quel cas que vous recrutez plus souvent, qui répétez plus souvent? Bon, cas que vous répétez plus souvent la communauté ça, c'est problème prostate. Okay. Un pile problème prostate, communauté haïtienne. Un pile garçon pas qu'à pipi sang, pas qu'à pipi bien. En ou bien gen cancer prostate, qui gen PSA yo, qui test prostate pour détecter cancer là, qui élevé. Nous avons pile à pile cas ça yo. Quand mesdames yo, nous venons pile cas de problème infection des voies urinaires, mesdames qui gen infection tout le temps la pipi, gen mesdames qui pipi sou yo, ou bien aussi de mesdames tout qui gen bagay qui tombe dans le vagin yo, donc ou vessie à blad pipi à tombe dans le vagin yo, ou yon boule, ou gen partie là, nous yon tombe dans le vagin yo, yon le sa prolapsus. Je rencontre un pile cas ça yo et bien entendu ou ka créer un pile très courant la communauté a c'est garçon qui pas ka bay assez rendement la carbone. Okay. Donc garçon qui gen problème bonne que nous relé ça et son problème qui très commun la communauté a et bien entendu m pas surpris parce que lié avec un pile l'autre problème médical qui très courant la communauté a donc au sucre ça ou les diabète là et moun qui fait tension moun ki gen cholestérol yo ki trop haut et tous les trois maladies ça yo on capable di yo lié étroitement à problème sexuel la kay garçon donc en pile garçon qui vient gen problème sexuel y a mande côté problème ça sorti donc en pile faut pas besoin chercher loin c'est parce que yo souffri donc c'est de l'autre maladie qui vient engendrer problème sexuel là en partie de premier cas qu'on parle là qui est un problème de prostate là qui ça corrige ni côté le sorti exactement bon eh ben c'est pas une question de côté origine prostate là nécessairement prostate là de pour faire ou faire à prostate son organe que lié même je fait à au nez ou fait à au langue ou fait avec tout organe c'est ou fait à au cœur ou fait à prostate. Donc mais ce qui arrive c'est que nous mêmes au point de vue génétique peut-être chez les noirs et chaque tout garçon de pouvoir rentrer dans l'âge prostate là a grandi et prostate là a changé de configuration. Et grandissement de prostate ça à travers les âges, c'est lui même qui vient causer ça ou les troubles urinaires, c'est-à-dire que il permet garçon gel te kon pipi al pa pipi même gens, il pa pipi à même force là, la pipi drit la nuit, la pipi gel pipi à des fois pipi à c'est courir pour la la toilette, ça so, c'est le changement que y est et malheureusement ça pipi dur là, c'est que des fois garçon pas pipi du tout. Vous avez ça rétention urinaire, ce bagage extrêmement douloureux côté blad pipi a rempli vessie a rempli avec pipi et pipi a pas qu'à sortir. Mais le plus souvent nous entendons que je toujours dit dépend nèg un garçon arrivé dans quarantaine ou cinquantaine. Est-ce que c'est un bagage scientifique lié
Absolument. Absolument, les scientifiques, parce que études ont prouvé que un symptôme, au point de vue prostate, commençait à l'âge de 45 ans, comme ça, 40-45 ans, il commençait et il devient extrêmement très fréquent à partir de l'âge de 65 ans. Donc, c'est rare garçon, plus que 50% garçon, à partir de l'âge de 65 ans, qui a pile trouble urinaire que vous êtes capable d'expérimenter. Mais en 4-4-2, et Dr. Gousse, des préventions que on moun ka fait, comme on dit que pour cette enfavel, pour que li pas vraiment cause une maladie pour même. Bon, malheureusement, pas grand rien vraiment qu'on capable, garçon capable faire pour empêcher pour ça la grandir. Et jusqu'à présent, malheureusement, pas grand rien garçon capable faire pour empêcher qu'on vienne développer cancer prostate. Pas grand remède qu'on capable faire ou bien un changement l'envie ou qu'on capable faire qui fait que il prévoit pour pas venir développer cancer prostate. Par exemple, un monde qui pas fumer cigarette ou diminuer chance pour venir développer cancer poumon. Au monde qui pas fumer cigarette ou diminuer chance pour pas venir développer cancer vessie. Au monde qui pas fumer cigarette ou diminuer chance pour pas venir développer problème cœur. Donc ou capable gain ou changement l'envie ou qu'on fait dans le comportement qui est capable aider non série de maladies. Mais malheureusement dans le cas de cancer prostate on pas grand rien qu'on capable faire. Yo essayer, on sait de vitamines, changement la diète, tout bagage ça yo, pas gain évidence scientifique. Donc seul recours qui gagne c'est tester pour aller tester à partir de l'âge de 40 ans et que ou aller checker ça relé test dans sang, yo les PSA qu'on fait d'une façon régulière annuellement et l'autre bagage encore capable faire pour faire toucher rectal là annuellement. Ou bien l'heure que le docteur a trouvé le nécessaire pour faire toucher rectal. Et si que y a une abnormalité dans le test sang yo, ou bien dans le test toucher rectal là, donc le docteur a pile fois a proposé ça y aller ou biopsie prostate et que fait l'office, vous fait la clinique là. Et c'est seul ou biopsie prostate qui est capable de dire que le garçon a un cancer prostate. Depuis le garçon pour faire biopsie prostate ou pas connaît sous quel cancer prostate à sous pas gain cancer prostate. Mais essayez à nuance pour être plus précis, docteur Gousse, pour tous les téléspectateurs qui regardent nous sur les masters. Là, nous allons parler de prostate et de cancer prostate. Est-ce que c'est deux éléments ou bien c'est exactement seul? Oui, eh bien, prostate là, il y a différentes zones là-dedans, il y a différentes sections là-dedans. C'est là qu'on a dans son pays qui a différentes zones. Donc on a déjà dit qu'on vivait pas au presse, il y a des zones, you know, à bon Pétionville. Des zones centre-ville, des zones bon, Sainte-Bernadette, différentes zones, mais c'est le même pays à quoi. Okay. Et bien, prostate là, c'est même genre, des zones périphérales, la prostate là, et zone périphérale là, c'est là, en pile fois, cancer yo développé, la même prostate là. Et changement bénin yo même, yo l'on plus long zone centrale la prostate là, yo le sa purple zone, ou bien zone centrale là, côté la prostate là. Donc, zone ça lui même, il pas tellement de cancer, mais c'est zone ça qui encroché ça y aurait les passages pipi y aurait les urètes là c'est là que changement bénin yo donc conseil de changement bénin qui pas cancer la prostate et conseil de changement qui maligne qui dans l'autre zone la prostate. OK, maintenant et Andy Dr Gousse et n'ta gain un monde qui t'a fait cancer prostate automatiquement le pas de cancer, est-ce que ça lui obligé opérer et si oui après opération ça est-ce que ça réduit sous capacité en tant que garçon? Absolument. Première question pour me répondre à lui, c'est pas tout cancer prostate lors fin diagnostiqué qui méritait un traitement immédiat. Quand pile en pile cas cancer prostate qu'on y a là, nous fin diagnostiqué en dépit du fait que son cancer que lié, il pas mérité au traitement immédiat. Donc nous fait ça relé aux surveillances actives. Mais surveillance active là supposé fait, le mot actif est extrêmement important. Parce que les supposés faits sous surveillance ou urologue compétent qui comprennent critères pour surveillance active là et qui connaissent qui l'œuvre que pour faire changement de surveillance active là pour offrir malade là au traitement. Et surveillance active là, c'est le critère que nous ne pouvons pas parler de yo, mais urologue là qui formé à connaît selon de Gleason, selon qui pourcentage de cancer rejoint, selon niveau de PSA, les diagnostics là t'es fait là, si que sont malades qui remplissent critères qu'on pas fait rien. Des malades qui près de 5 à 6 ans ont un cancer prostate, on va faire aucun traitement pour eux et ça pas diminuer potentialité de vie. Que des recherches que nous avons déjà fait depuis ça plus que 15 ans
qui déjà prouvé que de pour gain critère ça yo même sous pas faire quelle intervention malade pas jamais mourir avec cancer prostate. Donc c'est pas tout cancer prostate qu'on doit traiter mais aussi de cancer prostate qu'on obligé traiter. Donc il y a un traitement qui est très commun que nous devons retirer prostate là. Donc il y a ça prostatectomie radicale et ou l'autre traitement tout il y a faire rayon et l'autre traitement tout mais c'est deux traitements ça qui plus populaire. Mais ça m'a profité pour me dire c'est que tous les deux traitements yo ni leur retirer prostate là les prostatectomie radicale ou bien leur que yo fait rayon tous les deux traitements ça yo gain potentiel pour affecter vie sexuelle au garçon absolument. OK mais qui ça qui bon signal en tant que personne pour dire que là gain c'est prostate que me fait est-ce que c'est leur senti que ou pas pipi ou du moins que leur pipi canal ou brûlé ou qui bon signe que ou son monde qui fait prostate? Non, en pile, c'est une très belle question et on va poser de très belles questions. Ça qui est extrêmement important, c'est que met dit plus que 70 à 80% des fois que ou monde qui a cancer prostate ou pas aucun symptôme. C'est-à-dire que si ces symptômes obtenent pour qu'on ait qu'on a cancer prostate, on va faire ouais. C'est peut-être ça, yo considérer cancer prostate comme un tueur silencieux. C'est-à-dire que seul va faire bruit le doit chaud. Donc là qu'on y a là puisque le papa est cet homme, puisque il est silencieux, donc fort ou malade, qu'on est resté vigilant à partir de l'âge de 40 ans. Donc pour aller ouais, ou docteur, pour aller ouais, ou professionnel de santé pour faire sondage pour vous, test de sang et examen etc., etc. Donc et en pile fois monde qui est cet homme yo c'est pas cancer prostate là qui va au symptôme non mais c'est enlargement prostate là partie bénigne mais les mêmes qui remet bail cet homme et partie cancer là le plus souvent va marquer cet homme. Au sous télémasters à va suivre un bel dialogue là c'était qui va prendre en pile information là et c'est pour ça télévision ça là télémasters channel 18.8 nous va prendre pause là n'a tourner rester avec nous n'a tourner avec invité nous après-midi à qui c'est docteur Angelo Gus. Wedding Day, un film qui débute en Haïti. Une histoire vraie entre Stanley et Sabine. Stanley, oui, papi. Maman avait discuté déjà. Nous allons vous partir à l'étranger pour aller plus vite. Wedding Day. Nous pas besoin de promotion encore. C'est nous-mêmes qui nous avons depuis qu'on a travaillé avec nous. Nous avons besoin de nous aux femmes. Comment ça passe? Ah, c'est son fait. C'est son fait. Wedding Day, jour mariage là. Yes, Angel. Monsieur Stanley Jean-Baptiste, est-ce que vous acceptez de prendre Maggie pour épouser, pour enchérir? I'm sorry, man. I can't. Wedding Day. Met à l'écran les plus grands noms du cinéma haïtien. Huberman Saint-Il, Mackinson Souffrant, Marie-Carmen Lindley, Fabioli Jean-Pierre, Smith, Casamajor, Malézine Georges, Dipper Georges. Là, c'est madame qui est là, et Marc qui est là, Patrick. Sauf une fête là. Madame, ça entend pile. Guy Pierchamp, Dibato, Zinye. Il prend un nom, et puis mettez un pour m'inviter. Bam, zin, bam, zin, bam, ça passe. Guy Pierchamp, exécutif, producteur. Co-producteur, Marie-Carmel Ledley. Production audiovisuelle, Samuel Vincent. Après succès film Running Deal en sorte de Miami, entendez réaction Mounio. Non, pas monsieur Jean-Jean, je suis très content à souhaiter pour capable de faire une grande première movie, ça, Wedding Day. Et penser que le travail a bien fait et qu'en plus de bagages que nous apprenons dans la movie, ça, penser vraiment, étant haïtien, nous faisons une belle figure de movie, ça, qui est Wedding Day. Là, et penser tout le monde s'est satisfait. Nous de retour après pause là ou sous télévision pour la Télémasters avec Zami ou coach Kenol et je dis à comme invité nous gagnons docteur Angelo Goussa. Docteur Angelo Goussa, avant pause là nous t'a parlé question de prostate mais gain un sujet qui est un sujet tabou dans la communauté nous hein, et question de garçon érection ça ne relève proprement bonne. Je dis à là est-ce que c'est l'âge qui ça qui cause que un garçon rete puis li pa gen bonne? Bon, eh bien tout facteur ça yo là-dedans. Donc l'un garçon pa gen bonne, so ou baga bien simple que lié dans sens au point de vue médical que nous comprenons
95% de fois garçon pa gen bonne c'est contre 100 qui parler l'en pigeon contre 100 qui parler l'en pénis là contre 100 qui parler l'en verge là quel que soit j'on vle rele organe là quel 100 qui pas rentrer qui pas bail là-dedans vous comprenez ça Abdoula donc et les mêmes garçons les mêmes qui gens que pour verge là joindre sang c'est tuyau sanguin qui pour ouvert donc n'importe bagaille qui affecte tuyau sanguin yo même flux tuyau sanguin pour quantité sang parler là tuyau sanguin quel que soit ça lui-même il est capable affecter qui quantité sang qui aller dans pigeon donc tant qu'au problème diabète et problème hypertension artérielle comprendre problème hypercholestérolémie tout problème ça yo pas capable vraiment à permettre contre sang rentrer dans pigeon donc bagage sont capable causer donc tant qu'on prend dans l'âge donc tissu pénis là commence à vieillir donc c'est peut-être ça que garçon commencer à bailler ratement comprendre donc en pile fois on capable dire que problème bonne son problème vasculaire que dit OK mais là comparativement avec le n'ta parlé avant pose la question de prostate ou dit des préventions à l'âge de 40 ans mais qu'on y a question de à partir de qui le est-ce que l'avenir est tout naturel ou bien que un garçon li pral gen atteint un âge et puis il connaît que li pral paraît dans une condition que pour pas gen bonne bon ça nous connaît que 40% garçon à partir de l'âge de 40 ans commencer gen problème bonne problème prostate on va gen faire pour diminuer chance pour venir développer cancer prostate mais problème bonne qu'on bagarre qu'on capable faire donc depuis ou contrôler diète ou faire exercice régulièrement ou pas manger trop bagaille qui gen féculent trop sucre ou faire exercice physique régulièrement ou contrôler tension normalement ou contrôler sucre dans sang normalement ou pas quitter diabète finan va you ou pas quitter obésité c'est-à-dire que ventre vin trop gros tout bagaille ça yo de pour contrôler yo ou gen beaucoup moins chance pour venir développer problème sexuel donc ça va dire nécessairement pas venir développer mais soseye de bagarre qu'on fait on capable diminuer chance ou bien capable diminuer progression de problèmes sexuels mais couramment doc que on dans n'importe pharmacie ou bien là que en Haïti ou bien n'importe toujours voyager il y a toujours gain des comprimés qui sur le marché qui dit que et mais ça pour édo pour ban mais ça qui édo est-ce que ça en tant que médecin vous recommandez ça ou bien que est-ce que c'est ça qui pas causer des effets tout et le que un garçon utilise le trop qui permettent que le perdu bonne. Non, le plus souvent, si vous utilisez graines, le plus souvent, parler pour me citer quelques noms, graines de Viagra, de Cialis, de Levitra, ce sont des graines qui sont très communes, qu'on a là, sous don générique, l'état d'alafil, sildenafil, que vous venez, en pile fois, qu'on a un très bon marché. Ce sont des traitements qui sont reconnus. La médecine, ce sont des traitements reconnus en urologie. Et ça, vous faites vous-même, vous augmentez, vous dilatez le sanguin, vous permettez plus de flux de sang qui rentre dans le pénis. Donc, si vous avez un symptôme, un problème, vous n'avez pas qu'à performer normalement, pas réellement gagner grave dans ça pour que vous avez un problème. Et du fait que vous avez un problème, ça va dire que vous avez détruit le problème sexuel. Pour ça. Donc, il est mieux, au contraire, si vous commencez à avoir un pour commencer à voir sang dans le pénis. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas réellement gagné l'effet de face. Au point de vue de progression de problèmes sexuels, bien entendu, il y a des effets secondaires. Donc, on a pris le médicament, il y a d'abord tête fait mal, il y a d'abord gastrite, c'est-à-dire qu'on sentit que l'estomac a bouleversé, etc. Il y a tout le bagage. Mais, on n'a pas dit que ce bagage qui est capable de causer problème bon sous le grain. Donc, mais c'est façon que l'on sent ce qui est plus simple que nous gagnons pour traiter problème sexuel avec un garçon. Parce que l'autre, c'est un peu compliqué. Obligé piquer tête chaque fois qu'on va le faire sexe, pas au piqu, il a laissé à tribix, c'est vous pour injecter chaque fois. Et quelques fois, on mettait pigeon en sorte de bouteille pour gonfler pigeon. Et quelques fois, on obligé faire des interventions chirurgicales. Donc, heureusement qu'on y a là, on a le traitement qui fait émerger, qui est extrêmement attirant. Et c'est qu'on est capable de prendre propre sans pao et ou injecter. Docteur qui prépare ça, docteur qui spécialise dans ça, il a laissé à PRP, platelet rich plasma. Son technologie moderne qui fait que vini PRP platelet rich plasma donc son plasma riche à plaquettes pour qu'on a dit en créole en français whatever que yo prend sang a fini qu'on a là
yo retire au parti le sang, yo injecte immédiatement la pénis là au façon pour rajeunir pénis là. Donc c'est-à-dire que c'est comme d'un bail pénis là booster ou rajeunir pénis là, ça va me dire que ou réellement éliminer problème là, mais ou diminuer impact problème là parce qu'on bail quoi ou opportunité pour guérir propre tête pas. Okay. Donc à cause de quoi vient guérir de tout dommage qui t'est causé yo, donc on a là problème performance sexuelle ou vient augmenter. Et gen un aspect que me toujours tendez de très souvent monsieur qu'on a parlé, est-ce qu'on va non plus expliquer sur ça docteur Gousse pendant qu'on là phénomène pompe là. Bon, on va parler de pompe, on va parler de opération. Uh-huh. Oui, c'est au bar qui reconnu qui ont très grande satisfaction, capable de 95% des fois, mm-hmm. mais so chirurgie que les, so intervention chirurgicale, so bah que ou faire opération qui dure le plus souvent 45 minutes, une heure de temps à peu près, qu'on mettait au corps étranger en dans pénis là, c'est de silène qui fait en silicone, même j'ai fait mettre breast implant, mm-hmm. ou même on mettait des silicone silène en dans pénis là, les filles sont capables de gonfler lui, avec le liquide qu'on met en dans, mais pas quelqu'un qui a connu qu'on mettait grand pile monde qui pense l'homme mettre pompe là monde capable ouais leur habillé ou déshabillé tout dit capable ouais gars monde qui mettre pompe là même partenaire sexuel yo pas connait que pompe là sous. Donc c'est à dire que ce bagage que qui très discret le que ou fin guéri de opération. Wow. OK, là non plus centré interview sur garçon, nous pas tellement parler pour mesdames yo. OK, mais qu'on y a et mesdames yo j'ont dit tout à l'heure problème infection donc là à partir de qui ça le sorti pour mesdames? Eh bien, en pile fille, premièrement, ça qui est plus jeune, yo, en pile fois gain infection parce que yo gain ou aspect l'aspect génétique la caillou qui prédispose yo gain bon infection ça yo. La fille qui pas de connait ça qui vient développer là commence à prendre dans l'âge, ça c'est de changement hormonal qui cap fille parce qu'on négocie de fille après prendre dans l'âge, yo vient gain ménopause et ménopause là lui-même dit engendre une série de changements capable de causer ça. Donc c'est-à-dire que changement hormonal là lui-même vient causer problème ça lui-même. Voilà. On te gagne pile bagarre que on te parler avec doc là, mais lui a fait nous la guerre. N'a pas le dernier pause là, retensement avec nous, n'a tourné tout à l'heure. Wedding Day, un film qui débute en Haïti. Une histoire vraie entre Stanley et Sammy. Stanley, oui papi. Maman avait discuté déjà. Nous allons vous partir à l'étranger pour aller plus vite. Wedding Day. Nous pas besoin de promotion encore. C'est nous même qui savons depuis qu'on a travaillé avec nous. Nous besoin de nos femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est son fait. C'est son fait. Wedding Day, jour mariage là. Yes, Monsieur Stanley Jean-Baptiste, est-ce que vous m'acceptez prendre Maggie pour épouser, pour enchérir? I'm sorry, man. I can't. Wedding Day, mettez à l'écran les plus grands noms du cinéma haïtien. Huberman Saint-Yves, Mackinson Souffrant, Marie-Carmen Lindley, Fabioli Jean-Pierre, Smith, Cassamajor, Malézine Georges, Dipper Georges. Là, c'est madame qui était là, remarquez qui était là, Patrick. Sauf une fait là. Madame, ça entend pile. Guy Pierre-Chan, Dibato, Zinye. Guy prenons nous, et bien mettez un pour m'inviter. Bam, ça passe. Guy Pierre-Chan, exécutif, producteur, coproducteur, Marie-Carmel Ledley. Production audiovisuelle, Samuel Vincent. Après succès film Running Deal en sorte de Miami, entendez réaction Mounio. Non, pas M. Jean-Jean, je suis très content à souhaiter pour capable de venir dans la grande première mon visa, Wedding Day, et penser que le travail a bien fait et qu'en plus de bagages que nous apprenons dans mon visa. Penser vraiment, étant haïtien, nous faisons une belle figure de mon visa qui est Wedding Day, là, et penser tout le monde s'est satisfait. Voilà, de retour après la pause, nous sommes toujours avec Dr. Angelo Gousse. Mais qu'on a, nous pouvons passer à la dernière phase là pour nous clôturer si belle interview ça. J'espère que vous apprenez en pile malgré nous pas de gagner de temps. Mais tellement de questions que nous avons posé Dr. Angelo Gousse. Mais ce n'est que partie remise à toujours la prochaine fois parce que Télémasseuse, définitivement, c'est la caille Dr. Gousse. C'est sûr qu'on a une chance une prochaine fois pour nous joindre Dr. Gousse. Il peut avoir l'autre aspect encore que l'a toujours capable de parler ensemble.
Récemment, on compte ça déjà, côté que télévision t'a fêté 4e anniversaire. Et il y en a un monde qui t'a contribué à succès télévision ça. Et qui t'a contribué à si belle fête ça que nous t'ai réalisé dans Ramada In Hotel, c'est que Dr. Gousse. Et nous pas t'a pas nous-mêmes montrer nous gratitude envers ça que Dr. Gousse fait pour nous-mêmes en dans télévision ça. Et c'est comme ça PDG à docteur dit docteur PDG Bateau lui-même lui pour la montrer à Dr. Gousse comment nous-mêmes nous qu'on accueille moun dans télévision et qui gens que nous comprennent geste tout ça que non seulement fait pour Télémasters mais pour communauté Bateau. Et merci et coach et bien on connaît moi-même nous sommes monde depuis que j'ai 28 ans ici et Miami. Et je suis toujours à suivre Dr. Gousse, et surtout l'information la baye mounio la radio, tantôt c'est dans 1580 ou bien la méga. Et bien, ce sont des belles informations. Moi-même, tout m'a attiré, je prends une leçon de l'émission Sayo, parce que je quand on dit ça, quand on dit qu'on est comme ça, tu peux supposer honorer les nègres là. Là, bon, c'est des belles informations, gratis encore. Et bon, so. Chose dit, chose faite, puisque Télémasters a fêté 4e anniversaire. Et nous honorons, on sait de monde qui a fait, on sait de bel travail dans la communauté depuis longtemps. Moi-même, je suis nécessaire. Et pour me présenter Dr. Gousse en trophée ça. Et je pense qu'il méritait plus toujours. Dr. Gousse, c'est avec plaisir que je me présente trophée ça. Yes. Moi remercie à Télémasters et tout staff Télémasters et me souhaite nous pour succès que nous déjà gagné déjà et au succès continu belle fête ça que nous réaliser oui. Et que c'est au fait que lié mais ça nous fait déjà la communauté a déjà son bagage que pour bah bravo pour lui et moi ouais monde qui a fait progrès. Moi remercie nous accueil là extrêmement chaleureux et me sentir déjà la caille moi déjà. Et okay. M'a partagé avec la communauté à ça que Howard l'a dit. Il dit, Dr. Angelo Gousse, with great appreciation for your outstanding service provided to the community and for your generous sponsorship. Telemasters, 4th Gala Anniversary, July 16, 2022. I'm so flattered. Thank you very much for this wonderful plaque. thank you. So we'll get a toast. We'll get a toast. Thank you very much for everything. I really appreciate it. Thank you very much. Voilà. Et voilà. C'est sur notre ça. On a mis fin à belle entrevue ça. Et on l'autre fois, on n'a pas remercié Dr. Gousse de faire côté répondre à l'appel et surtout à toute la question qu'il nous dépose. Restez sur télévision pour là, Télémasters, Channel 18.8. Moi, c'est Coach Kenol. Bonsoir.